Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astréno où on reprend notre petite aventure. Cette fois, on y va en fufu. Alors, il y a eux qui s'approchent. Est-ce qu'on est à portée pour se faire la maxime? Ouais, mais c'est pas suffisant. Ok. Recule. Ah putain la vache, on se fait tellement allumer par ce truc quoi. Ok. C'est chiant. Est-ce que t'es capable de lancer une grenade aussi loin que ça? J'aurais peut-être dû faire ça en fait, ouvrir à la grenade tout simplement. Je vais faire ça, je vais ouvrir à la grenade. Je pensais que le tir critique allait tuer le mec, mais c'est pas assez pour éliminer une maxime, du coup. Après, on pourrait aller avec nos deux snipes, ce serait une idée, mais il y en a un qui tire moins loin que d'autres. Si on est à portée de grenade, on va pas s'embêter. On va mettre des jumelles, choper les deux infanteries au passage, et on n'en parle plus. Alors oui, quand on recharge la partie, c'est assez sympathique, on entend les tirs dans l'église, alors que du coup l'église est censée être pacifiée. Toi tu vas venir là. Quand on recharge aussi le... Même s'il y a toujours l'aura, la mitrailleuse est désactivée, donc il faut qu'on la remette. Hop. On se replace. Ah oui, il ne nous voit pas là. Coup de justesse, l'a dit. Alors, des jumelles. Toi, mets des petites jumelles par ici. On va attendre les deux rigolos, là. Et on va grenader avec lui. Est-ce que éventuellement avec Joseph, on peut tirer un peu plus loin? Ah non, il est carrément plus loin. Okay. Donc non, on va tirer avec lui. Albrecht, totalement capable de faire le taf, Albrecht. Vas-y, grenade. Ah putain, ils sont arrêtés. Ah la loose, bon c'est pas grave. Au moins on s'est fait le mec. Maintenant, c'est parti pour la bataille. L'ennemi a sonné l'alerte, on s'y attendait hein. Je sais pas à quoi vont ressembler les renforts mais... On est prêt à les accueillir. Donc là déjà lui... C'est un enfoiré de grenadiers. Est-ce qu'ils vont venir? Ouais, lui arrive. Parfait, ça attire lui. On a le temps de recharger notre rafale. Excellent. Qu'est-ce que ça dit? Là, il y a eux qui font rien. Ici. Ok. La Maxime, elle voit jusqu'où là? Elle couvre pas toute la zone. Ok, ça veut dire qu'on peut déposer les mitrailleuses et avancer. Se mettre dans le petit angle mort là. Voilà. Toi, tu vas aller sauvegarder plutôt que ça. Pas de plus, on va pouvoir les grenader d'ici, je pense, sans trop de problème. On ramasse le carburant, on ramasse la thune. 200 balles, bah, c'est toujours ça de prix. Ouais, là, il y a moyen. Là. Par contre, on n'a plus beaucoup de grenades pour le coup. Est-ce qu'on peut se faire les trois? C'est compliqué, ou alors il faudrait qu'on balance un petit caillou. Toi, approche-toi. Balance un petit caillou là, là qui se retourne tous. Voilà, regroupez-vous bien, c'est une très bonne idée. Mais alors, tu la jettes ta grenade ou pas? Qu'est-ce qu'il fout? Il est où Joseph? Ah putain, il est hyper loin. J'avais pas vu, on l'avait laissé derrière. Merde, pourtant j'étais quasiment sûr qu'il était à portée. Alors attends, lui, il est là. Ok, est-ce qu'il peut lancer une grenade? Ça va être trop tendu.
Diantre. Pane. Rebalance un caillou. Je te proviens, non. Redonne-nous une vision. Voilà, merci. Du coup, toi... On la refait. Voilà. Koleje před námi vypadají bezpečně. Vrátíme se k vlaku a vyrazíme na cestu. Rozumím. Tam, on a failli oublier Joseph, quoi. Už jdu. Grave erreur, grave erreur. Bon, on a traversé toute la zone. Normalement, on a quasiment bien tout fouillé. Donc, on peut se barrer. 3, 8, 7, 8 sur 8. Il me manque, il me manque des gens derrière. Là. Voilà, c'est ça. Il y avait un type qui se... Les 8 sur 8, je me suis dit, on est parti à 8. Donc c'est bizarre que j'ai pas de... Je compte pas les nouveaux. C'est parti. Alors, bah Joseph qui mérite sa médaille, hein, une fois de plus. Yann qui est level 5. Bah du coup, on va faire passer lui niveau 5. Et le petit Ivron qui fait quand même le taf hein, au combat. Hop. 15 000 pour cette mission. En même temps, j'avoue que c'était une mission un peu longue. Hein. Alors, on a utilisé 7 grenades. On a quand même récupéré 4. C'est pas dégueu. On a récupéré 4 mines terrestres. Ça, c'est excellent. 160 munitions contre 275. 121 contre 210. Franchement, c'est rentable. De nouveaux légionnaires se sont joints à vous. 4 nouveaux soldats, du coup. Et ils viennent avec leur stuff. Hein. Fusil... Les grenades, munitions de fusil, bon c'est que du rang 1, mais ça va nous faire de quoi trade un petit peu. L'escouade revient avec un rapport après action. Peu après, la rumeur se répand comme une traînée de poudre. Bientôt tout le monde parle de la mystérieuse famille. Vos passagers seraient-ils des membres de la famille du tsar? C'est la seule question que personne n'a osé vous poser pour le moment. Vous dirigez vers votre wagon et attendez votre conseiller. Vous devez le voir pour parler de la situation, mais il est en retard. Vous attendez quelques minutes, mais il n'y a toujours aucun signe de lui. C'est très inhabituel, bah, surtout que dans un train, il n'y a pas de 2000 endroits où se perdre. Hein. Alors que vous vous apprêtez à envoyer quelqu'un le chercher, vous entendez des cris et des exclamations de colère. Vous entrez dans le wagon adjacent. Toute l'attention de vos soldats se tourne vers vous. Chacun crie sans attendre son tour, mais un mot revient encore et encore, assassiné. Quoi ? Enfin, vous voyez le capitaine Langer. Major, Alexei Deminov est mort, le mari de la famille. On l'a retrouvé dans son lit. Quoi ? La voix de Langer est calme, les rides sur son front semblent être un signe de tristesse. Mais il pense peut-être simplement aux conséquences de cet événement, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Comment est-ce qu'il est mort, bon Dieu ? C'est difficile à dire, mais je soupçonne qu'il s'agit d'un meurtre. Si vous voulez mon avis, je pense qu'il a été empoisonné, sans doute par du cyanure. What the hell ? Le capitaine Langer vous montre une flasque en métal gravée d'un aigle à deux têtes. Sa flasque avait une légère odeur d'amande. Je ne peux l'affirmer avec certitude, mais d'autres soldats avec un odorat plus fin que le mien l'ont confirmé. Où est le reste de la famille? Alors, on trouve Maria, mais ses yeux injectés de sang ne trahissent aucune émotion. Major, je vous en conjure, ne parlez pas de mon mari, pas un mot, rien ne pourra le ramener. Ouais, enfin, c'est gentil, mais les assassinats dans mon train... Votre conseiller semble vouloir parler, mais reste silencieux. Bon, je trinque à son mari. Voilà. Nous sommes désolés. Non, ne vous excusez pas. Emmenez-nous simplement en lieu sûr. Un lieu où vous ne serez jamais empoisonné, peut-être ? Maria Deminova se tourne vers Langer, puis pose son regard déterminé sur vous. Emmenez-nous à Ninjuldinsk, je vous en supplie. On fait signe à notre conseiller de nous suivre. Il y a sans doute un meurtrier à bord, Major. Que devons-nous faire ? On va enquêter, bien sûr. On va pas laisser ça passer. Sans déconner. Même si c'est suicidé, on veut le savoir. Hein. Bon, nos soldats sont fatigués, mais le boulot a été fait et bien fait. Alors, on peut mettre Pavel dans le wagon médical. Et du coup, désormais, le wagon d'infanterie. Ici, il y a du monde dedans. Ok, donc on va pouvoir éventuellement travailler un petit peu sur les améliorations. Endroit douillet... Nouveau quartier, alors nouveau quartier pas tout de suite, mais endroit douillet ça serait pas mal. On va avancer jusqu'ici. En plus il y a un dépôt, on trouve peut-être des trucs intéressants, tant qu'on a de la thune.
C'est parti, en avant, on démarre. Attendez, personne. Hein. Nos escouades sont là. Les deux. Escouade numéro 1, escouade numéro 2, parfait. Et ici, on a un niveau 5 pour Sarah, qui devient cuisinier level 5. Elle est ingénieure, sinon. Est-ce que du coup... Alors, on a plein de rôles améliorés. On va les faire. Mitrailleur level 5, il gagne. Expertise du combat peut prédire lorsqu'il est sûr de sortir de l'abri sans risque de nouveaux tirs. Ok, très bien. Et l'intelligence d'un soldat augmente l'efficacité de sa couverture. Il est honnêtement intelligent, on va dire. Lui devient caporal, et fusilier level 3, et ouvrier level 3. Ok, très bien, ça c'est les nouveaux. Lui devient caporal, mitrailleur level 3, et ingénieur level 2. Ok, parfait. Albrecht, il est sergent, grenadier level 3, et ouvrier level 4. Et Grégor, il devient sergent, secouriste niveau 4, et ouvrier niveau 2. Très bien. Et on peut pas leur débloquer de rôle pour le moment. Joseph, il devient adjudant. Parfait. Grenadier niveau 4, qui peut lui permettre de réduire les dégâts. Ok, parfait. Bon, pour le moment, ses compétences sont bien. Ici, adjudant également pour lui. Level 4 de fusilier. Yann, on l'a fait. Pavel, adjudant, et il devient éclaireur niveau 5, fantôme. C'est se déplacer sans se faire remarquer, les déplacements par défaut produisent moins de bruit, le mode silencieux ne réduit pas la vitesse de déplacement. Et ça, c'est du coup, c'est un trait, hein. C'est pas une compétence. Hein. C'est parfait. Ici, secouriste niveau 3, parfait, et c'est tout. Ok. Et on a quand même un soldat qui est promu sergent. Ok. Bien, bon, une bonne chose de faite. On voulait voir quoi? Je ne sais plus. Je voulais avancer et j'avais dit je fais les promotions, c'est ça, donc on avance. Jusqu'à Krasnoyarsk, en espérant qu'il n'y ait pas un événement pourri. Il y a un meurtrier dans mon train, donc est-ce qu'un événement peut être plus pourri? Certes. On est tendu, hein, niveau capacité de l'inventaire, donc on verra ce qui se passe. Ah, on a terminé la recherche. Bon, de toute façon, je pense pas qu'on puisse faire grand chose d'autre là avec les ressources qui nous restent. On a zéro herbe, donc toi tu vas être reposé. Oui, mais faut être à l'arrêt pour améliorer les choses. Pas améliorer le train pendant qu'il roule, Chobiti. Pas d'événement. Ok, regardons le dépôt. Alors, le dépôt, qu'est-ce qu'on a? Un wagon atelier, un wagon médical, un wagon cuisine, un wagon de stockage, un wagon d'infanterie. On va prendre un wagon de stockage. Bah, c'est le dernier qu'on prendra, donc on verra si jamais on arrive à trouver un wagon de... Comment ça s'appelle? De... Je vais y arriver... Un wagon de d'artillerie, on enlèvera peut-être un wagon de stockage ou un truc du genre, on verra. Alors, ouh, il y a du rang 3 là. Fusil automatique M1916, c'est bon ça. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement éliminer? Si on élimine tous nos rangs 1. Ça c'est du rang 1, ça c'est du rang 1, ça c'est du rang 1. Et on va virer un chocha puisqu'on en a eu une. On peut se faire 3000 balles. Donc ça, c'est un fusilier. Fusilier au fusil automatique, on va commencer à causer là. Fusil court, donc ça c'est plutôt du pompe. La portée est normalement moindre, 25 mètres. Ah, c'est correct. On va essayer de prendre ces deux là. Et en plus, il nous donne encore des sous. C'est parti, on prend. De la poudre à canon, combien il nous en reste? Alors déjà, on peut filer la vodka, ça fera de la place. Il nous reste 10 poudres. On va devoir refaire notre stock de grenades, donc on va en prendre un peu. Voilà, 600 balles, très bien. Par contre, on peut pas changer l'ordre des wagons, ça c'est dommage. J'aimerais bien mettre le wagon de stockage devant, il faudra attendre la prochaine gare. Mais bon, au moins, on est un peu mieux niveau stockage, parce que c'est vrai que mine de rien, ça commence à jouer. Hein. Alors, pendant qu'on est là, on va faire un endroit douillet ici. C'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voudrait faire?
Tout le monde a son poêle, sauf le nouveau wagon. Le wagon de stockage, on peut mettre le dératiseur pour 20 de métal, ça me paraît rentable, c'est parti. Et on fera sans doute les trucs pour augmenter le stockage, mais pas tout de suite. Le dératiseur, ouais, c'est pour que quand quand il y a des rats qui nous infestent, ça génère de la nourriture. Mais en fait, on a eu une fois des rats au tout début de la partie, donc je me suis dit, bien, je vais faire ce truc-là, tiens, c'est pas très cher. Et en fait, on n'a jamais reçu, donc du coup, pour le moment, c'est pas trop un sujet. Ici, on fait des mines, on relancera notre production de grenades, ensuite. Je leur ai fait peur, peut-être. Alors là, on va pouvoir aller chercher des herbes, on va aller faire un tour. Là, il y a des ruines, une forêt, une exploitation forestière. Et ici, un marchand, mais pas de dépôt. Ah la vache, on n'a aucun endroit où changer l'ordre des wagons, quoi. Chier, ça. C'est pas cool. C'est pas cool du tout, même. Ici, oh, excellent, ils ont généré des herbes, ils ont récupéré des herbes avec leur petit trait positif. Il me reste une wagon terminée, mais pas la deuxième, donc on termine tranquillement. Voilà. Et on est parti. En route, les gars. Donc l'objectif, c'est de s'arrêter ici. Recherche terminée dans le wagon médical. Est-ce qu'on a une autre recherche intéressante à faire? Non, on a tout fait. Du coup, on a la trousse de secours qui augmente la vitesse, mais du coup, oui, qui nous permet rien de plus fou. Donc là, on va remettre un médecin qui a besoin de monter de niveau. Du coup, j'ai pas regardé, mais les autres, là... Non, c'était à la cuisine... Oui, à la cuisine, c'était bon. Toi, t'étais level 5, non, machin? T'es level 5. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui peut s'entraîner? Tiens, toi. Viens cuisiner. Viens cuisiner un peu. Et on a Petre aussi. Ok, donc là, on a nos deux mecs level 5. Excellent. Ici, on est à quoi? Tac, tac, tac. Donc lui, level 4. Parfait. On va juste vérifier que c'est pas des level 5 qui bossent. Les level 5 qui bossent pas. Ok, donc c'est bon. On est bien au niveau, niveau XP et entraînement. Allez, on quitte la ville. Et on va pouvoir préparer des escouades aussi. On va dissoudre nos escouades. Il va nous falloir une escouade avec un marchand, une escouade avec des cambrioleurs et compagnie. Ici, il va nous falloir deux escouades de type forêt. Alors oui, je me demandais si on pouvait voir... Ouais, l'aperçu du voyage, c'est ça. Chobiti me demandait où est-ce qu'on en était. Et tu vois, Chobiti, on veut aller tout là-bas. On est ici, donc ouais, on a fait à la moitié, quoi. On vient juste de dépasser la moitié du voyage, on va dire. Après, ça présage pas du temps restant dans le jeu, hein, mais... Globalement, a priori, il y a quand même énormément de contenu encore. Allez, petit train. Alors... ingénieur au niveau 5 pour Yann. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie, Yann? Tu conduis. Non, tu recherches. Ici, on va se refaire... des grenades, on en a toujours 15, on va en faire quand même quelques-unes. Yann. On va mettre quelqu'un d'autre qui serait en train de travailler. Toi t'es level 5, toi t'es déjà à la recherche, toi tu fais rien, allez, viens. Viens travailler. Le nouveau Piu Piu, va travailler sur nos... uniformes d'hiver. Allez, on arrête le train. Et on va chercher un petit peu d'herbe.
Donc, il nous faut une escouade de marchands. Marchands... Andronin, t'es pas encore tout à fait remis, mais tu peux quand même y aller. Sachant que t'es herboriste, toi. Ok. Ensuite, il nous faudrait des mecs pour l'escorter, qui n'ont pas forcément des traits. Les soldats disponibles. Toi, t'es brutal et électron libre, je pense que t'es le bon mec à envoyer en mission. Et ici, on a un type loyal. Allez, on va faire une petite escouade. Hop, et une nouvelle du coup, mais pour aller fouiller les ruines. Donc on va vouloir du cambriolage, parfait. Une fée du logis. Tiens, bah on a un des nouveaux à fée du logis, ça c'est cool ça. Y a besoin de quoi d'autre? Je crois que c'est les deux trucs principaux, ouais. Donc ensuite, il nous faut un mec pour les accompagner. Un petit médecin, non t'es occupé. Un fusillé, allez un autre fusillé. Et toc toc toc, toi tu peux prendre une compétence, concentration. Pas de loup, non c'est pas utile pas de loup. Là, rien de dingue. On va se permettre de prendre ce qu'il faut en grenade. Pour la prochaine fois. Toi, on va te filer un fusil de type 38 pour durant 2. C'est parti. Alors du coup, là, on envoie l'escouade de marchands. Et ici, on envoie l'escouade de pilleurs. C'est parti. Et dans le train. On va regarder notre petit wagon. Wagon d'infanterie. Les nouveaux quartiers, c'est pas utile. On va faire le poêle. Faut qu'on mette des ouvriers, bien sûr. On va laisser quelques personnes se reposer, quand même. Y a pas des mecs un peu plus... Tiens, devant lui, il bosse pas, il glande et il est en pleine forme. Allez, go. Et du coup, le wagon de stockage... On va améliorer le stockage tout de suite. Non, on va pas le faire. On a ce qu'il faut, donc on va voir. Si jamais on est obligé de l'échanger contre un wagon d'artillerie, ça m'emmerderait d'avoir fait des améliorations pour rien, donc on va rester tranquille. Là-dessus. Là, on pourrait refaire de la cuisine. Non, il faut 20 pour faire de la soupe. Et pour faire genre de la tarte aux pommes, il faut pas grand-chose pour faire de la tarte aux pommes. On va faire de la tarte aux pommes. Est-ce qu'on a des cuisiniers pas expérimentés à mettre? Toi, t'es niveau 1, niveau 5, niveau 5, niveau 1. Mais ceux qui sont niveau 1, ils sont déjà en train de bosser, en fait. Sauf lui qui est médecin. Du coup, il faudrait qu'on regarde si on peut avoir d'autres cuisiniers. Alors, d'après ce qu'on me dit là, il y en a beaucoup plus que ce que me dit le jeu. 1, 2, 3, on avait un niveau 1, un niveau 3, et un niveau 1, où sont les autres? Cuisinier. Toi tu fais des recherches, toi tu fabriques, ah oui toi t'es parti en expédition, toi t'es censé glander mais t'es niveau 5 je crois, ouais. Toi tu glandes, mais t'es niveau 4, pourquoi je te vois pas? Ah elle est épuisée, ok. Ah oui, ils sont épuisés, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on les voit pas. Ok, bon, faut qu'ils se reposent. Pas de soucis, on les enverra cuisiner. Quand ils seront reposés. Allez, ici on est arrivé, on fouille. On a terminé l'amélioration du wagon, on va enlever les mecs pour pas qu'ils se blessent pendant qu'ils glandent. Voilà. C'est reparti. Alors, marchand, tu nous vends des herbes, t'as 100 herbes. Pas mal, ça coûte combien si on prend tout? 1000 balles. C'est cher. C'est cher, mais on peut peut-être se permettre quand même. Filant un petit peu de goulash, quelques tartes aux pommes. Pareil, les munitions, on est quand même bien couvert. En termes d'équipement de combat, on a 27 trousses de secours. Franchement, on peut enfiler facile la moitié.
Là, il nous donne des sous, même ça, si on fait ça. Allez, c'est parti, on prend. Et on rentre. Alors, eux, ils ont terminé de fouiller. Qu'est-ce que ça dit ? Une cave à charbon, excellent. Le cambriolage proc, il nous trouve de la thune. La fédéologie proc, et on trouve des petits médicaments. 745 dessous, quand même. Ça, ça fait bien plaisir. Et bah bravo, franchement, très très bon boulot. Ici, on gamasse level 2 en cuisine. Excellent, tout le monde rentre. Level 2 en cuisine pour lui aussi. Et on peut repartir jusqu'ici. On va aller chercher du bois et des herbes. En avant, petit train. Donc il va nous falloir une escouade d'herboristes. Survivaliste et herboriste. Attends, t'es aux recherches, toi. Chasseur, tiens, ça c'est parfait. Chasseur, survivaliste, il fait les deux. Par contre, du coup, un herboriste. Non, il faut plutôt le chasseur herboriste. Ah, il fait des recherches, lui. Tous nos herboristes sont occupés, sans déconner. Toi, tiens, voilà, viens. Allez, c'est bon. On a une petite escouade ici pour aller dans la forêt. On va leur mettre un éclaireur pour le sport. Alors, juste toi, là. Tes mines terrestres, tu vas en prendre un peu quand même. Merci. Et du coup, il nous faut une autre escouade pour aller couper du bois. Et bah, cette escouade-là, on va la laisser se reposer. On va prendre lui. On va quand même prendre un mec. J'aimerais bien un chasseur herboriste, là. Bah, tu vas y aller, toi. Ils ont des bons traits, les nouveaux mecs qu'on a récupérés. Ça fait plaisir. Faut juste qu'on mette, du coup, un autre ingé là. Potentiellement, si on en a un de dispo. Toi, mais t'es déjà level 5. Toi, t'es level 4. Vas-y, viens bosser. Cela étant dit, eux, ils font rien, là. Ça va pas du tout, ça. Refais-nous des grenades. Surtout qu'on a... On a acheté plein de poudre, donc go. Au wagon cuisine, est-ce qu'ils sont reposés? Tiens, toi t'es reposé, et toi t'es reposé, parfait. Au boulouche. Cuisinez-moi quelques tartes aux pommes. On va peut-être faire une petite pause ici, c'est pas cher, c'est tout prêt. Seulement on avait ce temps jusqu'à Vladivostok. J'avoue, il fait plutôt beau là. Un nouvel événement est en cours. Accident du travail. Petr est imprudent. Il s'est blessé au wagon cuisine. Cela s'explique sans doute par son état ou son trait imprudence. Bravo. Bel état d'esprit. C'est pas grave, ça fait de l'XP pour les médecins. Du coup, par contre, en termes de cuisinier, pour le coup, je pense que c'est mort, là. Il y a Antonin, mais il se repose, donc on va faire 100. On va demander à lui de bosser un peu plus le temps que son copain vienne. Major, puis-je avoir un instant? Oui, capitaine, parlez. J'aimerais parler de la famille que nous escortons. Je pense que nous devrions réévaluer la situation, peu importe nos ordres. Nos ordres sont très clairs, nous devons emmener la famille. Notre conseiller serre les dents sans un mot, son regard rempli de tristesse, mais il se saisit rapidement, il part en silence. Nos ordres sont clairs, voilà. Ouais, mais c'est pas la jetée dehors qui va désactiver le meurtrier. Ah si, il sera plus là. Bah, ça on sait pas. Tac tac tac. Il nous faut ici ces traits là, ces traits là. Les deux équipes sont bonnes, du coup on va envoyer l'équipe la plus complète là. Tu paries que c'est elle qui l'a tué? Peut-être. Mais ça pourrait être la fille aussi, parce qu'elle avait l'air d'être un petit peu vindicative, la petite fille. Hein. Alors, Camilla devient adjudant. Excellent.
Allez, on fouille la forêt, ils récoltent tout ce qu'ils peuvent servir. Un petit peu de gibier. Ah, le fait d'avoir plusieurs traits. Ah non, c'est survivaliste qui est produit. C'est chasse survivaliste et herboriste. Ok, très bien. 49 de bouffe et 46 d'herbe. Ça, c'est très très bien, ça. Bien joué, les gars. En plus, il n'y a même pas le sanglier qui nous a fait mal. Et eux, ils coupent du bois. Sans de bois. Parfait, on rentre. Ça fait du bien, le nouveau wagon de stockage, quand même. Ah, et notre soldat guéri a quitté le wagon médical. Donc... on va le renvoyer bosser. Ça, il pourrait avoir un accident du travail. On n'y peut pas grand chose. Hein. C'est pas... normalement, faut qu'on utilise nos ressources. Hein. Allez, on va jusqu'ici. Alors, il nous faut une escouade avec un marchand. On a lui qui est disponible. On va l'envoyer. C'est tout près, donc ça va pas lui consommer une endurance de fou. Un cuisinier level 3, parfait, ça monte vite la cuisine, j'aime beaucoup, ça fait des bons traits. Alors, voyons voir ce marchand, qu'est-ce qu'il nous vend? De la poudre, des cigarettes, des armes de rang 2, des munitions... ouais, non, pas... les cigarettes, c'est inconsommable, ça donne un bonus de morale. Éventuellement, je pense que si on a peut-être des soldats avec le trait... fumeur, mais on en a pas, donc non, rien d'intéressant. Je voulais jeter un oeil au cas où, vu qu'on commence à avoir du level 3, mais visiblement, c'est pas la peine. Allez, on va reprendre la route vers Kansk. Où il y a un marchand. Après ça, on va squeeze, on va rouler, je pense, là. La forêt, on peut s'en passer. On s'arrêtera peut-être ici, parce qu'il y a toujours des trucs intéressants. La cuisine, ils ont fini de bosser. On va faire une petite salade de crudité. Hop. Je terminerai l'épisode... bon, il est un peu tôt, là. Chobiti qui veut qu'on arrête l'épisode. C'est vrai qu'il est assez long, mais... c'est assez calme comme épisode, donc on va au moins jusqu'à Kansk. Ce qui est cool, c'est que tous nos soldats épuisés ont récupéré. Ça fait plaisir. Lui, il est fatigué parce que... bah oui, parce qu'il bosse... à la cuisine alors qu'il était déjà fatigué. Est-ce qu'on peut inverser facilement? Non. Il faut qu'on inverse à la main. Donc toi tu viens là et toi tu vas te reposer quelques heures. Il est 13h, t'as quelques heures de repos, profites-en. Hop. Ce serait con qu'il s'épuise à cuisiner quand même. Alors, ici on a un petit adjudant. Nickel. Fait de l'XP de pelleter du charbon. Oula, il est un peu déconné sur le virage le train là. Recherche terminée. Ah, on a nos nouveaux uniformes. Excellent. Qu'est-ce qu'on pourra avoir? Plus de balles. Plus de trousses médicales. Plus de balles pour les fusils. Plus de balles pour les mitrailleuses. Ça, ce serait très bien. Ah, il nous faut de la poudre. Ah, il nous manque un de poudre, sérieusement. On va annuler ça et on va lancer cette recherche. Et là, est-ce qu'on peut faire des trucs avec ce qu'il nous reste de poudre? Des bombes fumigènes, c'est inintéressant, mais bon. On va le faire, ça fera de la vente. Par contre, il va falloir qu'on travaille sur réparer nos wagons, visiblement. Le train s'arrête en gare et certains de vos soldats descendent pour se débourder les jambes et prendre l'air. Quand les habitants les remarquent, ils se mettent à chuchoter entre eux. L'un d'eux quitte la scène précipitamment, ce qui entraîne une certaine nervosité chez vos légionnaires. Certes. Après un court instant, l'habitant réapparaît accompagné de plusieurs personnes, des légionnaires. Ah ouais. Tout sourire, ils foncent vers votre train. Visiblement, cela fait un moment qu'ils attendent qu'un train de la Légion les emmène à Vladivostok. Tout le monde monte à bord. Ah, excellent. On a plein de nouvelles personnes. Attends, moi qui pensais que c'était mort pour les nouvelles personnes. Oh non, on n'a pas assez de place, vous êtes sérieux? Oh! Oh le blasage! Oh le méga blasage! On peut pas travailler sur notre wagon maintenant, quoi. Et bah du coup, on va arrêter l'épisode là, et puis on va recharger ça! Je veux mes deux soldats en plus! Je veux mes deux soldats en plus!
Il vous reste des quartiers disponibles. Bah, où ça? Et t'en reste 41 sur 40. Il est où? Ah, il est là. Il y en a un qu'on peut pas prendre, quoi. Ouais, mais on a les ressources, on a tout ce qu'il faut. J'avais juste pas amélioré le truc en me disant, bah, c'est bon, on va pas en avoir 5 d'un coup, mais si, quoi. Donc, bah du coup, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu et on va s'occuper de ces petits soldats tout de suite. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.